Salam alaikum les économistes. Aujourd'hui, alors je me présente, je suis Hachima Belmadani. Inch'Allah, nous allons une vidéo concernant la matière économie générale. Nous allons voir comment est la matière. Je vais vous parties de la matière. Comme ça, je vais vous montrer, Inch'Allah, il y a la matière, de quoi elle est composée, ou il faut, je vais vous montrer, je vais vous montrer. Normalement, il y a des cours, mais le problème, c'est que Monsieur Alfou, chaque cours, est-ce qu'il fait partie de la matière ou non? Il m'a dit, Alhamdoulilah. Il m'a dit, Alhamdoulilah, il y a de la matière, de quoi elle est composée. Alors, le bac de 2014. Alors, il y en a qui sont les parties de l'examen. Alors, comme vous le voyez, la matière est composée de quatre parties. La première partie, la deuxième, la troisième et la quatrième partie. Alors, pour la première partie, on a l'activité économique. Alors, je vous le dis, l'activité économique. La deuxième partie, c'est l'intervention de l'État. La troisième partie, c'est l'échange extérieur. La quatrième partie, développement et perspective d'évolution. Alors, il y en a qui vous le voyez, c'est le nombre d'heures. C'est-à-dire qu'au fil de l'année, chaque mois, on va faire la partie. Alors, la première partie, c'est 24, 60, 44, 52, total, c'est 180. Bien sûr, on est en pourcentage. Et là, concernant le barème, qui va être à 12, et là, concernant la première partie, c'est 3,5, et demi, c'est 2014. 7 points pour la deuxième partie, 6 points pour la troisième, et 3 points pour la quatrième partie et 0,5 pour la présentation de la copie. D'accord? Alors, c'est concernant la bac économie générale et statistique, la filière sciences économiques. Alors, la première partie, les concepts économiques de base. Donc, à la partie de l'Oulénia, il y a le marché, la définition du marché, que ce soit au sens concret ou que ce soit au sens abstrait, on a les composantes du marché, l'offre, la demande et le prix. On a la typologie du marché, la typologie selon l'objet, ou les types du marché. Alors, deuxième chapitre de la partie de l'Oula, c'est les agents économiques, plutôt le circuit économique. On a un petit rappel, normalement, ici, c'est quand tu as la première année, puisque le circuit économique est traité en première année, normalement, qui est là, on a ça de sixième année. On a rappelé les agents économiques, les flux et les marchés. Mais concernant le circuit économique, elle est plus élaborée, la sixième année, c'est le circuit économique simple. Voilà, qui est le bac, le circuit économique élaboré. On va chiffrer les vidéos, Inch'Allah, prochainement. À voir, le circuit économique élargi ou élaboré. Et là, le troisième chapitre, ce sont les agrégats de la comptabilité nationale. Les agrégats économiques, et comment on calcule les agrégats économiques, et bien sûr, l'interprétation de chaque agrégat économique. Alors, pour vous mettre sur les rails, donc, les agrégats, nous avons quatre types d'agrégats. Selon l'objectif de production, selon l'optique de dépense, selon l'optique de revenu et selon l'optique de l'épargne. Inch'Allah, les agrégats économiques. Donc, on a les lignes de la comptabilité nationale. Alors, la deuxième partie. Alors, c'est quoi la deuxième partie? La régulation par le marché. Les différents types de marchés économiques, soit un marché de concurrence pure et parfaite, c'est-à-dire le critère que tu connais dit monéfice et chérifa, ou le critère que tu connais dit l'article. L'article, que ce soit un marché monopole, que ce soit un marché oligopole, monopsone, radin chevaux gâchis, inch'Allah. D'accord? C'est la deuxième partie. Radin chevaux, les dysfonctionnements au niveau des économies. Normalement, le cours de radin qu'on juge les types de dysfonctionnements. Le premier type de dysfonctionnement, c'est l'inflation. Lorsqu'il y a l'inflation, le critère de titre en lien, les prix. D'accord? Concernant le deuxième dysfonctionnement, c'est le chômage. Bien sûr, les causes, les conséquences, les théoriciens qui ont parlé un petit peu de ces deux phénomènes. D'accord? Bien sûr, on va apporter quelques solutions.
Donc, là, c'est le cours, les cours. Alors, là, qui m'a fait chevaux, c'est l'approche théorique. Je connais mon classique de les causes. Le classique de d'une façon. Les kinésiens de d'une autre façon. Donc, un chicken, Inch'Allah, il chevaux. Et là, une fois, on va détecter les types de dysfonctionnement, c'est-à-dire l'inflation ou le chômage, on doit essayer de résoudre avec le dysfonctionnement. Bien sûr. Alors, par quel moyen? Par le moyen de la politique économique. Donc, on a fait les politiques économiques, on a fait l'équilibre économique, c'est-à-dire l'équilibre de l'économie. Bien sûr, j'ai écrit là, c'est Caldor. Caldor, il a élaboré le carré magique, fait Arba, il y a les types de l'équilibre, que ce soit au niveau du plein emploi, l'équilibre de la balance commerciale, l'augmentation du taux de croissance. Et la maîtrise de l'inflation, c'est-à-dire la maîtrise des prix. Donc, il y a les types de politiques économiques, qui sont des politiques économiques qui sont structurelles, qui sont des politiques économiques, et plutôt, les politiques économiques sont des politiques qui sont conjoncturelles, c'est-à-dire la durée de l'homme ne dépasse pas généralement une année. Donc, il y a deux sortes de politiques économiques. Nous avons les politiques monétaires. Donc, on a la monnaie, la fonction de la monnaie, les agrégats monétaires, que ce soit M1, M2. Et M3 est le contrepartie de la masse monétaire. C'est-à-dire la première partie, bien sûr, on doit traiter le système financier, mais le système financier ne fait pas partie, hein, ne fait pas partie, ne faisait pas partie de la manifeste, de 2014. Chauffe les instruments de la politique monétaire, l'arsenal fonctionne. C'est un chapitre qui contient beaucoup d'informations. Ce que vous devez faire, c'est la concentration totale où vous devez faire tout à l'échelle de l'eau. Donc, une fois que vous avez la politique monétaire, vous avez les politiques budgétaires. Vous savez le budget, la loi de finances, de quoi il est composé la loi de finances, vous savez de quoi il est composé le budget général de l'État et les instruments de la politique budgétaire. Ça, c'est la deuxième partie. Maintenant, je vois la troisième partie, c'est les échanges extérieurs. Donc, les échanges extérieurs qui infèrent le protectionnisme et le libre-échange. Là, il faut les fondements théoriques, le protectionnisme et le libre-échange. Là, il faut la définition du protectionnisme. Je connais les théoriciens qui ont parlé du protectionnisme. Je connais les avantages et les inconvénients du protectionnisme. Bien sûr, le libre-échange, la définition. Les théories du libre-échange, les avantages et les inconvénients d'hier. D'accord? Moi, la balance des paiements. Bien sûr. Alors, pour mesurer le commerce extérieur, je des indices. D'accord? Il y a des indices que je montre la balance des paiements. Alors, la balance des paiements, elle est composée de plusieurs balances. On a un fonctionnement des balances et l'interprétation de chaque balance, bien sûr, à l'échelle de la chiffre pour calculer ou des indicateurs. Alors, les indicateurs, que ce soit taux de couverture, les termes de l'échange, les chiffres, une bête. Maintenant, le paragraphe, c'est l'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés. Elle dit que c'est purement statistique, mais qu'il y a trop de chapitres, mais il y a tous les chapitres. Pour aller chez la méthode des moindres carrés pour faire des prévisions. Il a dit que la consommation des ménages durant 10 ans, ou qu'il y a des prévisions pour l'année prochaine. Tu peux à travers ou là, grâce à cette méthode des moindres carrés, de trouver les prévisions pour l'année prochaine. Donc, c'est l'ouverture de l'économie, l'économie mondiale, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail. Une fiche signalatique de l'OMC, donc et la dernière partie, c'est le développement et perspective d'évolution. Le développement, la croissance, la différence entre croissance et développement, le sous-développement, quelques indicateurs pour qualifier un pays, soit il est en voie de développement, soit il est en sous-développement, soit il est développé. D'accord? Et plutôt le dernier chapitre, la quatrième partie, et c'est la mondialisation. Alors j'espère que cette vidéo vous a été utile. Pour les personnes qui veulent le contenu, ils peuvent me contacter via
فيا مون فيسبوك كيما كتشوف غتلقاو في لا ديسكريبسيون. ولا احتاجيتو شي حاجه نيزيتي با افير افير دي رماك ا بوزي دي كيسيون.